J'espère que vous allez bien. J'essaie toujours de recommencer des vlogs et je les complète pas, je sais. Mais je voulais vous montrer mes petits achats, puis ensuite, je vais vraiment vlogger. C'est que, qu'est-ce qui arrive, c'est que je suis vraiment, vraiment occupée à cause du site web que je suis en train de faire. Puis j'ai comme, quand ce que je, tu sais, au lieu de faire du montage, ben je fais ça. Fait que là, je commence des vlogs, mais je les finis pas parce que je sais que je vais pas comme les monter, en tout cas. Fait que le mois d'avril, ça a été un mois vraiment, vraiment, vraiment occupé. Vraiment, je suis fatiguée, puis j'ai des petites histoires à vous conter que je vous raconterai au fil du temps, peut-être dans ce vlog-ci ou dans le prochain vlog. Mais je voulais vous montrer mes petits achats que j'ai faits au Doulou. Donc, je voulais vraiment commencer à lire, j'avais déjà dit ça. Mais, fait que je regarde souvent dans les livres. Puis, on dirait que quand je vais à la bibliothèque, moi, je suis trop slow, là. Fait que là, je vais à la bibliothèque, puis finalement, le livre, j'ai pas eu le temps de le finir, tu sais, puis il faut que je le rende. Puis là, je suis comme, ah, pff, en tout cas. En tout cas, ça me démotive. Fait que là, j'ai acheté un livre comme ça, que j'ai pogné au Dolo. C'était 4 $, la preuve. puis j'étais comme, ah, ça me tente de faire des affaires de même, peut-être, tu sais. Comme des choses comme ça, là. Fait que, en tout cas, j'étais comme, ah, c'est cute, mais c'était pas vraiment comme le but pour Léa, parce que j'ai vu ça. Puis, c'est ça, je sais, parce que, tu sais, on scroll tout le temps, puis comme ça, tu sais, veux pas, c'est pas bon pour notre cerveau, là, tu sais, c'est comme, à ça, j'ai de la misère à avoir de la concentration. Puis, ben, c'est ça, je parlais avec ma psychologue, puis on était comme, ok, faudrait que j'essaye de, comme, commencer à lire, même si juste, comme, 10 minutes par jour, ou comme, rien faire pour 10 minutes, mais vraiment rien faire. Parce que, mettons, je vais prendre une marche, je vais écouter de la musique, je vais écouter un podcast, mais comme vraiment juste prendre une marche, même si c'est pas toute la marche, mais pendant ma marche, avoir un moment où est-ce que mon cerveau ne fait rien. T'sais, mon cerveau s'ennuie de nouveau, genre, tu sais, je veux dire. En tout cas. Puis, c'est pas un livre que je vais lire maintenant, mais j'ai vu ça, puis j'étais comme, waouh, ensemble dans le temps de Noël. Faut que je lis ça. Un jour en décembre, 4 et 25, j'étais comme, waouh, je peux pas rester ça là. Fait que je trouvais que ça avait l'air vraiment cute. Si jamais, puis c'est posé, lisez-le. Mais 4 et 25, tu sais, comme, en tout cas, j'étais comme un livre de Noël. En tout cas, puis quand j'étais au Yolo, je me suis acheté un autre petit porte-savon comme ça. Et ensuite, je suis allée au Eclipse. Je vais vous montrer mes deux achats. Je suis comme positionnée. Mon sel est positionné dans le panier à linge. Ma maison est un mess. Les lavages sont faits, mais ils sont pas pliés. J'ai comme vraiment perdu comme la swing. Là. Pas la swing, mais le voyons. Le rythme. Parce que c'est ça, j'ai comme venu un petit peu en arrière, là, tu sais. Bon, fait que c'est ça, je voulais avoir ces jeans ici du Eclipse. Donc, je vous explique pourquoi. C'est parce qu'ils sont stretch. Et moi, vu que j'ai un ventre, ben, il faut que ça soit stretch. Quand c'est des jeans raides, ça me vide jamais. Puis, parce que c'est des patelages. Ben, comme droite, là. En tout cas. J'avais mis sur un petit peu moins large, mais vu que ma size est grande, mais ça fait plus grand. Mais c'est pas grave. Fait que, c'est ça. C'est comme je l'ai vu. Donc, voilà. Ils sont difficiles à trouver. Ils sont stretch. Que j'étais comme, je vais les prendre. Donc, voilà. Et quand j'étais là, ils étaient 54. Quand j'étais là, puis il y avait 20% de rabais dessus. Donc, voilà. Ensuite, j'étais allée au. J'étais encore au Eclipse, puis il y avait une jupe en spécial à 34 $. Fait que, vous savez, mon amour pour les grandes jupes et les grandes robes, style paysanne. Tu sais, je vais mettre ça avec. Je vais mettre ça haut, là, tu sais, avec un petit top bleu, un petit top. J'en ai des petites couleurs sables, j'en ai des petites couleurs brunes, ou même comme blanc. So, j'étais comme waouh! Moi, des robes, des jupes comme ça, I love it. Je suis comme. Je suis comme un petit peu comme une paysanne, là, style
boho aussi, là. J'aime ça. L'été. J'ai toujours là en t-shirt. T-shirt and leggings. Mais c'est ça l'hiver. Puis c'est aussi que je fais dans rien. Puis c'est là-dedans que je suis confortable. C'est sûr que quand ce que j'étais un petit peu plus mince, on dirait que je fitais mieux dans les vêtements. Je me sentais plus confortable dedans. Là, je me sens comme plus comme. T'sais, que ça sert pour bonne place, etc. Là. En tout cas. Donc, c'est ça. Je vais aller me sécher les cheveux. André vient d'arriver. Allô? T'as un café? Ok. Oh, cool. Ok, j'allais me sécher les cheveux. Puis, je pense qu'on va aller dehors, bardasser un petit peu. Sur la cour. Je sais pas. On va prendre une drive. J'ai aucune idée. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plan. On est dimanche. André a travaillé ce matin. Ça avance dans un petit projet. Puis. Il faudrait vraiment faire le ménage dans la maison, mais il fait ça, mais ça tape pas. Je m'ai acheté un nouveau Jeep. J'ai manqué, genre, en attendant dans le chemin pour virer à gauche au Tim Hortons. Pas au Tim comme proche de chez nous, mais à l'autre. Tu sais, parce que c'est comme, c'est plus occupé en ville. Ben, la ville, la même ville. C'est qui vient de Paris, ça. Comprenez? La grande ville, le grand nouveau nom de ville, là où Tim Hortons de ma ville. Puis, c'est ça. C'était proche de la lumière, là, tu sais. En tout cas, j'ai réussi à me rendre au bureau de poste, mais j'étais comme, oh my god, genre, ça suffit. J'étais comme, Pimpress. Fait que le soir, ben, je regardais ce marketplace, puis j'ai spoté un Jeep qui était vraiment pas cher. Parce que, je sais pas si vous avez vu ma vidéo sur des choses où est-ce que, comme, on gaspille pas des choses. Je vous parlais de l'argent. En tout cas, j'ai toujours dit que nous autres, on ne fait pas de payment, genre. Fait que là, on a acheté un Jeep, qu'on n'a pas eu besoin de faire de payment, genre. Fait que je suis bien contente. Sauf qu'on dit, on l'a acheté avec de l'argent qu'on avait, t'sais. Ça m'a comme soulagée, là, parce que ça me tentait vraiment pas de tomber sur des paiements. J'ai été voir, parce que moi, j'étais comme là, lorsqu'on qu'on achète un Jeep, puis qu'on fait des paiements, je suis comme, je choisis le Jeep que je veux. Puis c'était genre un Ford Bronco, le presque plus gros modèle, il était 72 000 piastres. J'étais comme, ah, ben, ça n'a pas de bon sens, genre. Ils exagèrent, c'est les prix de Jeep, là. 84 000 qui était le plus gros, j'étais comme. Ça vaut-tu? Les Jeeps sont tellement rendus chers. En tout cas. Fait que c'est ça, je me suis acheté un Jeep, mais comme genre, c'est un vieux Jeep, mais il paraît vraiment bien. Puis dans le temps, c'était comme le gros modèle que le monsieur avait pris, tu sais. Fait que c'était comme un. Tu es full, full equipped, là, tu sais. C'est comme le Limited, là, tu sais. Fait que tu sais, il y a comme des. Il y a deux sunroofs, il y a comme tout est électronique et électrique, là, il y a un gros écran, la navigation, le Alexa, le tout, ben c'est pas Alexa, mais tu sais, tout est dedans, les sièges, ça s'installe tout seul. Tout est vraiment, tu sais, pour un vieux Jeep, il est comme équipé comme un nouveau Jeep Duster, là, tu sais. En tout cas, je suis bien contente parce que ça, c'est comme un 2011, là, tu sais. J'aimerais ça qu'il me durait un bon 3 ans, puis après ça, on verra, là, tu sais. On aura peut-être, peut-être pour mes 40 ans, hein, qu'on aura pris un Ford Bronco. Non, je sais pas. Mais, ouais, c'est ça que j'aimerais qu'il me t'offrait comme un 3 ans, tu sais, parce qu'il y a comme un petit peu de minage dessus, là, mais pas extrême, là, mais, tu sais, il va durer une couple d'années. Peut-être qu'il durera 5 ans, je sais pas. Peut-être qu'il durera juste un an. Donc, c'est ça. Là, j'ai fini mon café. Puis, on va aller dehors, je pense. On va aller boire un petit peu dehors. Donc, on va aller prendre une petite drive. Puis, c'est pas mal ça. C'est ça, le dimanche. André a travaillé toute l'avant-midi. Fait que, tout ça, très comme plat. Ah, moi, j'ai dormi. Même pas parce que je pense. Ouais, c'est ça.
ça. Puis j'ai comme un petit projet en avant de la maison. Je pourrais vous le montrer. C'est comme un petit projet de briques. J'ai acheté plein de briques, de petites dalles de ciment. Là. Parce que j'avais comme en bas de mon escalier, il y avait comme trois petites dalles de ciment. Mais là, je vais comme faire un petit chemin qui va comme jusqu'au pavé. Puis là, ben, tu sais, je vais mettre des petits fleurs de tout. Puis ça va. Fait que ça va être pas mal ça. Puis comme le plus gros projet pour la maison cet été. À part que je vais peinturer le perron, ça va prendre une éternité, le deck en arrière de la piscine. Mais c'est ça. Puis à la chute, ben, on est en train de. Demain, ils viennent couler la slab de ciment pour faire le dôme. Là, tout est comme préparé. Je vous avais montré, je pense, la plateforme sur Instagram. La plateforme telle là. Pas la plateforme, mais comme la préparation, là, tout comme en petite roche. Après ça, ils ont fait les formes. Puis ils sont rendus à fini de préparer et couler. Fait que demain, ils vont apporter le ciment. Puis ils vont couler ça. Ça fait un autre petit projet. Puis c'est ça va faire comme genre un garage. Ça sera pas une shop finalement. Puis ça sera pas avec. Tu sais, André avait parlé de ça, là, qu'il voulait mettre deux containers puis monter ça plus haut. Mais finalement, tellement ça matchera pas avec le reste de la shop. Ça. Puis tu sais, c'était comme ça va faire deux shops. Ça va être moins le fun que si elle grandirait sur la même shop. Fait que. Ben, tu sais, on savait qu'on allait grandir sur la même shop. Pareil, agrandi. Mais c'est ça. Tu sais, c'est comme pas le fun de traverser d'une shop à l'autre. Ça fait là. C'est ça, ça sera pas une choupe. Puis, c'est ça, éventuellement, mais on va commencer tranquillement à amener de la table, puis faire. Agrandir le terrain pour être capable éventuellement de faire une rallonge, peut-être l'année prochaine, l'année d'après. Aucune idée. Voilà. Puis, mes deux projets de rallonge maison, j'attends encore! Bon, fait que là, je vous laisse. C'est pas mal ça, les updates. Sinon, mon site web, ça va être lancé cette semaine. Ça arrive fini pas mal. Là. Mais, tu sais, il y a comme pas tout sur ma. Il y a pas tous les produits sur ma page web, tu sais. Mais je me dis, je vais pouvoir la lancer. Puis après ça, je vais pouvoir rajouter des produits à mesure, tu sais. Au moins, elle sera ouverte. Il y a quand même pas pire de produits là dessus. Là. Fait que sinon, c'est ça. J'ai comme moins fait de pub, là, fait que je suis comme moins occupée. Fait que ça me saute d'une façon parce que je suis capable de plus avancer sur ça. Je m'ai acheté une nouvelle machine. Je ne l'ai pas encore utilisée. J'ai un nouveau projet aussi qui s'en vient. Là, hier soir, on a travaillé tard là-dessus. Puis je pense que ça va fonctionner. Fait que je suis bien contente. Fait que je vais me lancer dans la broderie de casquettes. Si tout va bien, ça devrait se faire. Je sais pas, d'ici une semaine, ça devrait être pas mal disponible d'après moi, à moins que ça va pas bien. Là. Mais ça devrait être prêt. Je suis bien contente. Je vais pouvoir broder des casquettes de compagnie. Puis, c'est ça. Je vais pouvoir faire des plus grandes pancartes. En tout cas, il y a comme une autre machine que j'aimerais vraiment avoir. Ben, deux autres. Mais ça va venir, ça va venir. Puis, tu sais, je dis toujours comme je veux pas trop grandir parce que je sais pas quand je vais former parce que je vais être en congé de maternité puis que je vais devenir une maman à la maison puis que je voudrais plus tout faire ça. Tu sais, c'est où je suis comme, j'ai grandi, mais il y a un autre côté de moi qui est comme, fais pas ça. Mais je pense que je vais probablement continuer juste à en faire, mais plus me spécialiser dans des choses spécifiques peut-être pendant que le bébé est plus jeune. Parce que pour l'instant, no babies. Ça fait que je continue ma vie. Puis quand ça arrivera, on pensera à ça dans ce temps-là. Ouais, c'est ça, André a fini son shutdown, il est content. C'était épuisant, mais là, c'est ça, ça finit jeudi. Fait que là, il travaille juste normal, là, de nouveau. Il est bien content. Fait que, tu sais, tout ça, ça vient
gruger sur l'énergie, la morale, la fatigue, sur les projets aussi. Puis, en tout cas, on a travaillé un petit peu sur la cour hier. Puis, je vous avais dit que je ne savais pas si j'allais faire un jardin ou pas cet été. Je ne sais pas encore. Je ne sais pas. Je ne suis pas encore décidée. Je gardais le jardin. Je suis comme, ah, ça serait beau, ça serait tout poussé, ça serait cute. Puis là, je suis comme, ah. En tout cas, je vais voir si je peux m'organiser. L'année passée, j'ai essayé de le faire. L'année passée, vous savez, là, j'ai comme abandonné mon jardin parce qu'on n'avait vraiment pas eu le temps. Cet été, on devrait avoir du temps. Mais je vais vraiment m'enjoyer cet été parce que je me dis, c'est peut-être ma dernière été, genre sans bébé. Tu sais, comme, tu sais, je vais m'enjoyer pareil avec un bébé, mais tu sais, comme ça va être différent, tu sais. Fait que, je sais pas, je vais voir, là. C'est juste que j'aimerais qu'on va plus en camping, qu'on soit plus sous la go, fait qu'on a moins de... Je veux pas qu'on ait comme, ah, j'ai oublié d'arroser le jardin, mais là, tu sais, je me dis, je pourrais quand même, comme, je l'avais comme commencé l'année passée, tu sais, j'avais mis des tartes noires, là, j'aimerais mettre des tartes noires et un arrosage automatique. Fait que ça peut être quelque chose que je ferais pareil, mais je rapetisserais mon jardin, il serait moins gros. En tout cas, ça me tente pareil. Quand est-ce que les savent ouvrir, genre, ça me monte comme une adrénaline dans la face. C'est là que je deviens folle et que je suis comme, je vais tout acheter. On dirait que j'ai de la misère à croire que genre, je vais aller dans les salles et je ne vais pas m'acheter rien. Mais une autre option, ça serait juste de me faire une grosse boîte à jardin puis pas faire mon jardin pendant tout. Je sais pas. Puis là, je suis en train de penser à des petites choses qui me tentent. Peut-être comme cet été, là, comme, de faire comme un petit week-end de camping. J'aimerais bien ça là, avec nos chums. Là. Commencer à penser à ces choses-là, tranquillement. Mais même, ça serait cool de faire comme un gros party chez nous. Ça, j'aimerais ça. En tout cas, on va voir. Moi. En tout cas, fait que. Sinon, il faudrait comme qu'on cilerait le pavé aussi. Ça, c'est un projet. Il faut vraiment faire peinture et verron. J'aimerais comme laver le vinyle. Il faut changer les luminaires dehors. Ils sont tous pognés dans la rouille de sel de mer. Puis c'est ça. Je continue à planter des arbustes. Continuer ma clôture tranquillement, pas vite. Là, à terre, j'ai un drill. Je veux mon drill. Que je le fais moi-même. Je suis comme, t'en fais pas. Manquer un cabane ici. Ouais. Mais on n'a rien sorti encore. Comme toutes les chaises de patio, pis ça, c'est pas sorti. Ça pourrait être un projet pour aujourd'hui, ça. Ouais. Fait que je pense que. Je vais vous laisser, ça vous a donné comme un update de ce qui se passe dans ma vie présentement et de pourquoi je suis pas là beaucoup. Excusez, mais j'aime encore autant vlogger. J'aime encore faire du montage. Tout est beau. C'est juste que c'était juste vraiment un overload de toutes sortes de choses en même temps qui a fait que on dirait que ça faisait comme pas de sens de vlogger. Puis souvent, je commence des vlogs puis là, je les finis pas. Mais, bon, c'est ça. Puis, j'ai encore aussi l'idée de faire mes vidéos que j'aurais dû faire dans le Vlogmas là, avec les questions, toutes ces choses-là avec André. Là. Ça va venir. J'ai tout ça décrit. C'est juste que on n'a pas le temps de s'asseoir puis le faire. Et éventuellement, ça va sortir premier. Fait qu'il y avait comme quelques sujets. Si jamais, pendant le Vlogmas, il y avait des super beaux vidéos. Super intéressant, je trouvais. Fait que si jamais ça vous tente d'aller les revoir. Puis si jamais vous vloguez et que vous autres avez envie de faire les mêmes sujets que j'ai fait pendant mon Vlogmas, là, celui-là, comme avec les horoscopes, pas les horoscopes, mais les signes astrologiques. Il y en avait un autre aussi, là, il me semble que c'était cool. Mais en tout cas, gênez-vous pas de les faire. Là. Je file pas que c'est comme copier mon concept, c'est juste vraiment le faire avec vos signes astrologiques, comment ça. Parce que moi, je trouve ça intéressant.
que là, ben, sur ce, je vais vous laisser après ma longue jasette. J'espère que ça vous a un petit peu satisfait, que je ne suis pas là souvent, mais que je vous donne des gros updates de ce qui se passe. Fait qu'un gros merci d'être encore là, d'écouter mes vlogs. Puis on se rejase bientôt. Je vais essayer de. Tu sais, ça devrait se désengorger, là. Fait qu'on s'en vient vers un retour des vlogs. Promis. À la prochaine. Bye.